The next speaker on our list, the employer's delegate from Romania, Mr. Costache, to please come and address the conference. At the same time, I wish to request the next speaker on the list, who is the Honorable Cabinet Secretary, Ministry of Labor and Social Protection, Kenya, Mr. Ukuri Atani, to be ready to speak immediately thereafter. Mr. Costache, you have the floor. Monsieur le Directeur Général, chers amis et collègues, Madame et Messieurs, le monde du travail subit de profondes mutations résultant de la numération de la croissance de l'économie numérique et des progrès technologiques. L'avenir du travail façonne déjà nos vies en proposant de la société et aux entreprises des opportunités et des défis. Les employeurs ont souligné plusieurs fois le rôle joué par le secteur privé dans l'avenir du travail. Les entreprises et les travailleurs s'adaptent aux importantes modifications du monde du travail. L'automatisation, par exemple, et les emplois existants pourront disparaître ou être fondamentalement réaménagés. Également, les capacités et les compétences nécessaires devront être totalement revues pour s'aligner aux besoins du marché du travail. Par conséquent, tous les aspects liés des employés devront être adaptés, y compris par les biais de politique, permettant aux entreprises d'exploiter le potentiel de l'avenir du travail et d'assurer que la numération des économies mène à des opportunités d'emploi plus nombreux et de meilleure qualité, à une productivité accrue, à une croissance durable et soutenante. Les progrès technologiques intelligents, artificiels, automatisés et robotiques vont créer de nouveaux emplois, mais ceux qui perdront leur emploi au cours de cette transition seront peut-être les moins bien armés pour saisir les nouvelles possibilités. Les compétences d'aujourd'hui ne correspondent pas aux employés de demain et les compétences nouvelles acquises puis rapidement devenir obsolètes. Les organisations de travail et d'employeurs doivent renforcer leur légitimité représentative grâce à des techniques d'organisation novatrices qui s'adressent à ceux qui sont engagés dans l'économie des plateformes, notamment pour l'utilisation de la technologie. Les pays ont besoin d'établir des stratégies nationales sur l'avenir du travail à travers le dialogue social entre le gouvernement, les organisations de travailleurs et des employeurs. Le dialogue social tripartite donne une partenaire du contact social l'occasion d'examiner les questions sociétales plus larges induites par le changement et d'orienter les réponses politiques. En Roumanie, le même œuvre de confronter au même défi et à la recherche de meilleures solutions pour l'avenir. En tant que représentant de l'organisation d'employeurs roumains, je tiens à souligner que les employeurs collaborant avec les autorités gouvernementales et les syndicats dans l'idée d'une participation active, honnête et le long terme. Nous voyons que l'avenir du travail demeure aussi de la mise en place de l'augmentation de centres de recherche, de développement, d'innovation dans tous les secteurs et dans le pays. Le grand changement qui marque presque tous les jours notre évolution mondiale, réactivisant l'avantage d'avoir un emploi conscient de l'évaporation de cet avantage même du jour au lendemain. Alors la solution viendra de cette saison de l'Organisation internationale du travail. L'OIT a un rôle unique à jouer à cet égard par son mandat normatif fondé sur le droit de respect plénain et son caractère tripartite. L'OIT peut devenir un point focal dans le système international, un métier de dialogue social, d'organisation, d'analyse, des stratégies nationales relatives à l'avenir du travail, ainsi que pour déterminer comment la technologie peut avoir un effet positif sur la conduite du travail et au bien-être des travailleurs. La centrale de l'OIT démontrer l'importance de son rôle si pourra se concentrer sur l'anticipation de besoins en matière de compétences, sous les deux États pour renforcer la croissance de la productivité, la création des emplois décents, à stimuler l'entrepreneuriat et la dialogue sociale efficace et moderne et responsable.
Je vous remercie de votre attention. Thank you very much, sir.